Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo soins des cheveux, mais des soins naturels. A tout de suite. Alors, donc là je vais vous parler de poudre de plantes naturelles que j'ai acheté chez Aroma Zone. Donc c'est déjà ouvert parce qu'en fait je vous ai fait une vidéo hier soir, mais comment dire, c'était une série de maladresse sur maladresse et ben... j'ai perdu la vidéo, donc je suis obligée de la refaire. Bon, d'un côté, je vous faisais l'application en direct, mais c'était une vraie catastrophe, donc mais j'y reviendrai. Donc, dans ce shampoing naturel, il y a de la poudre de Shikakai bio, de chez Aroma Zone. Donc, c'est 3,90 et 250 grammes et 30 centimes... Non, les 90 centimes, les 30 grammes. La poudre de Moringa. Donc, voilà... j'ai payé ça 6,50 € les 100 grammes et c'était 11,50 € les 200 grammes. Et de la poudre de Brahmi, c'est pareil, le même prix que le Shikakai, 3,90 € et 250 grammes et 30 grammes pour 90 centimes. Alors, je m'explique ce que c'est ces poudres. Donc là, déjà, la base de la vente, réellement, c'est ça, c'est le Shikakai. Donc, ça nettoie et ça fortifie les cheveux. Ça purifie, je crois, le cuir chevelu, donc ça évite les pellicules. Ça s'utilise uniquement sur les cheveux. Après, la poudre de Moringa, c'est un purifiant et un revitalisant, tout type de peau et de cheveux. Donc celui-ci, je ne sais plus les propriétés autres, parce que moi je m'étais vraiment pour purifier mon cuir chevelu, le revitaliser. Donc moi je m'étais axée sur ces propriétés-là, mais je sais que ça en a plein d'autres. Si vous êtes curieux, allez sur le site d'Aroma Zone parce que franchement, vous n'avez pas que ces produits-là hein, pour le cheveu. Vous n'avez pas que le Shikakai qui lave. Vous avez une autre plante ayurvédique qui le fait. Pareil, le poudre de Brahmi, c'est fortifiant et purifiant. Donc pareil, c'est pour donner de la force aux cheveux, etc. Et c'est pareil, c'est peau et cheveux. Tout type de peau, tout type de cheveux. Je sais que ça aide à faire pousser les cheveux, ça les rend brillants, ça les rend tout doux. Donc hier, je les ai lavés avec ce mélange. Donc c'est de la poudre de chaque plante plus de l'eau chaude. Donc après, je vais aller chercher de faire chauffer de l'eau et je vous montrerai comment je le prépare. Et ça s'applique en fait sur cheveux mouillés, donc sous la douche. Donc je ne l'appliquerai pas avec vous. Et chose que j'ai fait comme erreur hier, c'est que j'avais bien préparé ma pâte. C'était juste trop épais. Et je l'ai appliqué sur cheveux secs. En fait, j'ai confondu le masque à base de Moringa et d'autres poudres soins. Et en fait, c'était une vraie catastrophe. Ça ne s'appliquait pas, ça ne glissait pas sur les racines des cheveux. Une vraie catastrophe. Par contre, j'ai rincé. J'ai les cheveux, mais d'une douceur, vous ne pouvez même pas imaginer, jusqu'à la pointe. Alors, je ne sais pas si c'est le baume démêlant, parce que j'étais obligée de mettre du démêlant, vu que j'avais rincé tête en bas. C'était une vraie catastrophe. J'avais les cheveux emmêlés parce que même si je les avais bien brossés avant l'application, ça m'avait emmêlé les cheveux, mais d'une force, comme quand je farinais. Comme quand je faisais du henné en fait, parce que j'en fais plus en ce moment. Et du coup, c'était une catastrophe. Par contre, moi je ne suis pas une spécialiste de tout ce qui est capillaire. Moi je peux vous conseiller une chaîne qui fait vraiment beaucoup tout ce qui est vidéo sur les cheveux. Et c'est la chaîne de Cathy. C'est KayJo. Donc je crois que c'est ça. Excuse-moi Cathy si je me trompe sur le nom de ta chaîne. De toute façon, je la mettrai en barre d'infos. Et elle a vraiment de très bons conseils. Elle, en l'occurrence, l'un des meilleurs conseils qu'elle donne, c'est d'arrêter les shampoings avec du silicone. Donc en l'occurrence, moi, je ne me lave plus les cheveux au shampoing avec du silicone. Et c'est vrai que bon, j'ai pas les cheveux si abîmés que ça, heureusement, parce que sinon j'aurais de la paille. Là où c'est vraiment un peu abîmé, c'est les pointes. Bon, en même temps, faut voir ce que je leur fais subir. S'ils sont abîmés, c'est pas étonnant en fait. Mais c'est pas si grave que ça. Ça pourrait être bien pire. Après, c'est des shampoings qui sont... c'est des poudres, pardon, qui sont très très volatiles. Donc si vous êtes asthmatique, faites attention. Mettez un petit masque. Parce que ça peut irriter les voies respiratoires et les yeux. Donc quand... vous faites, si vous allez sur les mains, ne vous frottez pas les yeux parce que vous allez avoir les yeux mais irrités comme pas possible. Ce sont, enfin, je crois que c'est que le Shikakai par contre. Hein. Pour le Brahmi et le Moringa, je ne vais pas m'avancer. Ça, c'est des poudres qui foncent les cheveux. Donc si vous avez un blond clair, un blond platine, Je suis pas sûre que ça soit recommandé parce que ça va foncer vos cheveux et vous aurez plus le blond blanc que vous avez. Et si vous l'avez fait, si vous avez décoloré pour avoir un blond platine, c'est le genre de produit qui ne sera pas adapté. Il faudrait voir sur d'autres plantes. Mais le Shikakai, alors l'autre c'est le Reiki, je crois. R-E-E-K-E-O-I, je ne me souviens plus. C'est pareil, c'est une autre plante lavante qui a d'autres propriétés, mais qui fonce aussi les cheveux. Donc c'est pas l'idéal si vous gardez une couleur claire. Après, en tout cas moi le premier avis que j'ai, le premier shampoing, ça se rinçait bien. Malgré les gros pâtés que j'avais au niveau des racines, à la nuque, partout. Parce que j'avais fait vraiment n'importe quoi. Je l'avais mal appliqué pour le coup. J'avais fait ma pâte trop épaisse et du coup pas sur cheveux mouillés. Donc ça m'avait posé un petit souci. Je vais juste vous montrer comment ça se présente. Puis après je vais aller chercher de l'eau chaude pour la mélanger. Alors sur le site d'Aroma Zone, il parlait d'une eau à 50 degrés. Alors à la bouilloire, c'est pas facile d'avoir 50 degrés, donc je pense que je vais faire chauffer au micro-ondes de l'eau et pour l'avoir à 50 degrés. Alors je vais faire attention parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est volatile. J'essaie de voir, vous essayez de voir. Ça sent les plantes, hein. Franchement ça sent pas mauvais. Donc je vais mettre juste une cuillère à soupe. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà. Donc c'est un bol où je me servais pour faire mon henné. Donc je m'en sers plus du tout à la maison, en cuisine en tout cas. Je referme bien mon sachet parce que, comme je vous dis, c'est volatile. Et comme je fais un tout petit peu d'asthme, j'ai pas trop envie de me retrouver à faire une crise devant vous et de devoir éteindre la vidéo. Puis, le moringa, je vais en mettre à peu près pareil. Donc c'est vert et ça me fait penser à du thé matcha en fait moi. Voilà, je vais mettre un peu à peu près comme ça, peut-être un peu moins. Alors c'est vraiment de la cuisine hein, parce que sur le site d'Aroma Zone, j'ai pas du tout trouvé des doses pour les shampoings. Par contre après avec d'autres mélanges etc, mais ça correspondait pas à ce que je voulais faire donc j'ai pas réellement trouvé. J'essaierai de vous mettre les liens déjà des produits. Et donc le Brahmi, voilà. Je vais en mettre pareil que les deux autres. Donc ça me fait 3 cuillères de poudre. Hier j'avais mis... Alors le Brahmi, c'est un peu plus foncé que le Shikakai en fait. C'est beige. On dirait du chocolat en poudre pratiquement. J'avais mis un peu plus de Shikakai et de Brahmi, mais en fait ça en avait trop, sachant que c'est des produits que je vais devoir un peu plus diluer entre guillemets. Ça aurait été beaucoup trop au final. Petit à petit vous allez trouver vos doses correspondant à votre longueur de cheveux, vos besoins, et voilà. Après je peux pas dire que ça sera plus économique qu'un shampoing déjà prêt. Mais au moins, vous avez le mérite de savoir ce qu'il y a dedans. Donc, voilà. Et pour moi, je trouve ça plus simple que les shampoings à base de base lavante, avec de la glycérine végétale, etc. etc. Personnellement, cette cuisine-là, ça ne m'intéresse pas. C'est trop compliqué. Je veux dire, franchement, ça ne m'intéresse pas. Donc là, les poudres, c'est bim, bim, bim. Vous faites ça à la minute. Ça me va très, très bien. Alors, j'ai vu qu'il y en a qui rajoutaient de l'aloe vera, des ci, des là. Mais bon, moi, je ne vais pas m'aventurer dans des trucs comme ça. Parce que j'ai pas envie de me... Comment dire, de faire des catastrophes, sachant qu'il faudrait acheter encore plus de produits. Et si je me loupe, ça fait du gâchis. Et franchement, j'y tiens pas plus que ça. Alors, le Shikakai, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Cathy. Parce qu'en fait, elle a fait un henné. Dans le henné, il y avait du Shikakai. Donc, elle se disait peut-être qu'elle allait tenter. En tout cas, si elle tente, j'aimerais bien avoir son avis. Parce que... on n'a pas la même nature de cheveux, donc moi j'ai les cheveux que j'entretiens peut-être beaucoup trop, parce que je les lave fréquemment, très fréquemment, et que je sais que personne lambda ne lave pas ses cheveux forcément aussi souvent que moi, donc j'aimerais bien avoir ce retour-là. Si vous connaissez, moi je serais bien intéressée aussi d'avoir votre retour, parce que moi, comme je l'ai dit, j'ai un cheveu que je lave fréquemment, donc je ne peux pas forcément me rendre compte du pouvoir lavant extrêmement puissant. Par contre, si ça abîme mes cheveux ou pas, ça je pourrais m'en rendre compte. Entre parenthèses, hier, j'avais gardé mes cheveux sales, ce qui est un exploit, tout le week-end. Je les avais que lavés dimanche soir. Et je suis sortie de là, donc je les ai fait laisser sécher naturellement. Et là, en fait, bah, vous pouvez voir qu'ils sont absolument pas douteux. Je vais vous les lâcher pour que vous puissiez vous rendre compte réellement. Et voilà, ils sont franchement frais. Comme si je les avais lavés il y a 2 heures, quoi. Je trouve que... Et pourtant, j'ai tendance à les toucher tout le temps. Donc, ça graisse les cheveux aussi. Puis bon, bah, il y a un peu de la maniaquerie. C'est que je veux qu'ils soient tout le temps propres, tout le temps comme ça. Donc, ça, c'est... Déjà, avant que je sois en crèche, c'était déjà comme ça. Parce que j'avais... le laitu, c'était oui, je suis face à la clientèle. Si je veux ce sale, ça le fait pas. Que là, il y a aussi le côté... bah, j'ai envie de présenter bien. Mais il y a aussi le fait que... Bah, d'avoir les enfants qui m'atchoument sur les cheveux, les microbes, tout ça, ça me dégoûte. Et que bah, il faut que je sois propre, en fait. Il faut qu'il soit lavé. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vais chauffer mon eau, mélanger l'eau à la poudre et je vous montrerai le résultat avant d'aller me doucher. Alors, me voilà. Donc là, j'ai mon eau qui est chauffée. Donc elle a un tout petit peu plus de 50. J'ai mon mélange de poudre de plantes. Et je vais bah, mélanger de l'eau... Donc, petit à petit. Alors, l'odeur me fait penser à l'odeur du henné. Bon, même si celui que j'avais n'était pas clean, c'était pas celui d'Aroma Zone. Et bah, en fait, le problème du henné, c'est que pour refaire une couleur par-dessus, c'est compliqué. Alors, si vous utilisez un henné qui n'est pas complètement naturel avec des produits dedans... des sels minéraux, c'est encore plus compliqué. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait que ça prend pas vraiment, que ça aide pas, enfin que ça abîme le cheveu quand vous faites après une coloration chimique par-dessus. C'est pas tant le henné parce que, voilà, de ce que j'avais lu, hein, après maintenant je peux me tromper, avoir mal compris, ou que la personne qui a écrit l'article de ce que j'ai lu n'était pas bien informée. Voilà, donc là, je rajoute de l'eau parce qu'en fait, c'était encore trop pâteux. C'est une texture, ça a été une texture un peu trop... Là, je crois que j'ai mis trop d'eau maintenant. Ah, trop ou pas assez. Bon, voilà. C'est pas très grave. De toute façon, je l'applique sous la douche. Donc, c'est pas non plus catastrophique. Mais je vais essayer de vous montrer quand même la texture. Mais je pense que la texture, elle est lisse. Elle est bien. Par exemple, pour un henné, ça, j'avais fait la première fois une texture comme ça. Comment dire que c'est une catastrophe quand c'est comme ça? Enfin, voilà. Moi, je sais que c'est le genre de texture que, maladroite comme je suis, je vais m'en foutre partout. Bon, déjà, quand je fais une coloration normale, je m'en fous partout. Voilà. Mais alors là, c'est pas possible, quoi. Mais pour un shampoing, je pense que c'est vraiment la texture idéale. Et j'ai vraiment, vous avez vu, j'ai pas mis beaucoup de produits de base. Hein. Alors effectivement, ça paraît beaucoup. Et je suis assez d'accord. Je vais voir si la prochaine fois, ce que ça fait comme quantité, si c'est trop ou pas sur mes cheveux. Si c'est trop, bah, je réduirai les doses de moitié. Ou d'un quart, je ne sais pas. Parce que j'ai aucune notion de dosage. Vraiment pas. Donc, bon, vous savez quoi, là j'en ai profité. C'est vrai que je ne vous ai pas dit, mais excusez-moi, pour me gratter. Oui, j'en ai profité pour me gratter. Pour me démaquiller. Donc, j'ai pas utilisé de soin particulier ce soir parce que j'avais pas mis beaucoup de make-up. J'avais juste les yeux. Donc, j'ai utilisé ma lingette en microfibre démaquillante avec de l'eau. Et parce qu'en fait, sous la douche, je vais utiliser pour terminer, la mousse micellaire de Corinne de Farge. Donc voilà. Mais le sujet de la vidéo ne tient pas sur mon démaquillage. Mais pour ce shampoing, couleur épinard. Quoique non, c'est un peu marronasse. Marronasse à odeur épinard. Mais bon, c'est pas... Perso, ça me dérange pas. Bien pire. Hein. Franchement, j'ai eu bien pire comme produit qui pue. Donc, par exemple, l'effaceur de couleur qui sent l'œuf pourri. Voilà. Bon, je vais me laver. utiliser ce shampoing et vous dire ce que j'en pense quand il a la bonne texture sur cheveux mouillés, comme il doit l'être utilisé en gros. Et on se revoit dans un instant. Enfin, moi, ça va être au moins dans 1 heure et pour vous, ça sera quelques secondes parce que la magie du montage, à tout à l'heure. Alors, me revoilà. Donc, ça a bien pris un certain temps entre la douche et le séchage des cheveux. Alors, ils sont mais hyper doux, hyper bien lavés. Seul bémol, c'est, comment dire, ça les emmêle de dingue. Donc déjà que de base, moi, il s'emmêle énormément. C'est embêtant parce que là, il aurait fallu limite que je prenne du démélange. J'ai pas voulu en mettre pour voir ce que ça allait donner. Mais la prochaine fois, j'en mettrai parce que c'est trop de contraintes pour les coiffer après. Parce que là, en fait, comme je suis obligée de brosser assez longtemps, ça les casse. Par contre, ils sont d'une douceur, les pointes aussi. Alors, j'avais lu que ça pouvait assécher les pointes. Bah, moi, ça ne les a pas du tout asséchées. Bon, après, voilà, ça crée de la casse puisque je voulais te forcer pour les coiffer. Alors, ce que j'ai fait, je les ai coiffés sur cheveux secs parce que quand ils étaient mouillés, je ne pouvais pas passer la brosse dedans. C'était encore pire. Du coup, j'essaie de vous montrer un petit peu le résultat parce que, voilà, c'est pas... Vous allez me dire, ils sont comme tout à l'heure. Bah justement, ils sont vraiment nickel, ils sont tout doux. Légèrement encore humides. Mais moi, en tout cas, je recommande si vous avez envie de tester les produits de ce type. Par contre, si vous êtes en mode économie d'eau, bah, passez votre chemin parce que ça demande quand même pas mal de temps de rinçage. Moi, je sais que... Bon, après, si vous avez les cheveux courts, ça va aller très vite. Mais vous imaginez que moi, j'ai une longueur quand même assez... Voilà, ils sont quand même très longs. Et même s'ils sont, pas très épais, enfin chacun, j'ai quand même pas mal de cheveux, peut-être avec peu de volume et tout, mais il y a quand même beaucoup de cheveux et bah, la poudre elle se met dedans et il faut extrêmement bien rincer. Donc c'est vrai que le rinçage peut être un peu fastidieux, peut prendre un petit peu de temps. Bon bah après voilà, c'est pas si grave que ça. Enfin moi c'est pas ce qui me dérange le plus. Je pense vraiment à ceux et à celles qui veulent faire des économies d'eau. C'est peut-être pas le shampoing le plus adapté, ça c'est évident. Après, faut voir aussi que bon bah ça vous laisse des cheveux très très beaux, très doux. Après voilà, si vous avez les cheveux fins et qui s'en mêlent, pensez quand même à un démêlant. Moi ce que je vais faire de mon côté, je vais essayer de trouver chez Aroma Zone quelque chose à rajouter pour m'aider au démêlage parce que c'est juste pas possible, c'est juste très très compliqué, sachant que j'ai pas envie de rajouter forcément des produits démêlants. Donc là je vais en emmener demain la quantité qu'il faut pour le faire chez mes parents demain soir. Je les laisserai sécher naturellement sans sèche-cheveux parce que sèche-cheveux ça emmêle un petit peu parce qu'avec le vent et tout, même si on ne le met pas fort. Et voir ce que ça va donner, comment ils ressortent. Pareil, sans démêlant. Vraiment, je veux mener le test jusqu'au bout. En tout cas, je vous ferai un update dans 1 semaine ou 2 pour vous dire comment, au final, mes cheveux se portent. Si j'ai trouvé une solution pour les démêler, et choses comme ça. Parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes, ce genre de détails. Parce que c'est vrai que ça paraît pas, mais c'est hyper, hyper important le démêlage, sachant que sinon ça peut vous abîmer vraiment les cheveux si c'est mal fait, etc. etc. Donc voilà, sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre plein de pouces vers le haut. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah, abonnez-vous, je serais ravie de vous compter parmi nous. Et en tout cas, je vous fais plein de bisous, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.